La Suisse et l'Italie, à égalité au classement de ce groupe avec une victoire et une défaite, se retrouvent. À Bâle, encouragée par 35 000 spectateurs, la Suisse va renouveler sa performance face à une pâle Squadra Azzurra. L'unique but de la première période est l'œuvre de Joseph Ughi, le meilleur buteur suisse de cette Coupe du Monde avec 6 réalisations, 1-0 à la mi-temps. Balaman creuse l'écart en début de seconde période. L'Italie est donc menée 2-0 avant de réagir par l'intermédiaire de Fulvio Nesti. Dans les 5 dernières minutes du match, les Helvétiques marquent 2 nouveaux buts coup sur coup. De nouveau par ce diable de Joseph Ughi, puis par Jacques Fatton. Les Suisses l'emportent largement, 4 buts à 1. La pelouse est alors envahie par une foule radieuse. La Suisse se qualifie pour son 3e quart de finale de la Coupe du Monde. Tous les spectateurs peuvent aller féliciter leur nouveau héros, tous sauf un.